Donc, premier jour, nous sommes à Quimper. Il est samedi 9h15. On prend le bus dans une demi-heure pour la presqu'île de Crozon. Voilà, on est prêt. Olivier avec son gros sac. Fais un coucou à la caméra. Hello. Voilà. La météo devrait être moins pire que qu'on aurait pu s'imaginer. Tout dans le romantisme, hein. Pas très fraternel tout ça. Bon, là aussi, hein, tu peux. Ils appellent ça le fort de la fraternité. La cathédrale de Quimper. Enfin, je sais pas si c'est une cathédrale. 10h55. On est parti. C'est parti. Bon, il fait pas. Si, ça va. Il fait pas. Il fait un temps de breton. Voilà. On est au fret de l'Anvéoc et on se dirige vers la pointe des Espagnols. Et il ne pleut pas. Bon, pas c'est humide quand même. Pas encore, hein. Donc nous disions le fret de l'Anvéoc. L'île Longue là-bas. Et la rade de Brest derrière. On va arriver avant le... C'est quoi ? La pointe des Espagnols, là ? Ouais, ça va être là-bas, la grande langue de terre, là-bas. Alors, c'était la journée où il pleuvait pas. Voilà. Ça commence bien. La pointe des... Le début de la pointe des Espagnols. Les camarades doivent être là-bas. La pointe des Espagnols. Voilà, un sous-marin qui est en train de rentrer dans la rade de Brest. Le fort du petit Minou. Et la rade de Brest qui doit être de l'autre côté, que je vous montrerai tout à l'heure. Toujours notre sous-marin. Alors un point à vérifier, c'est pourquoi les sous-marins sont accompagnés par des vedettes. Il y en a une à l'avant, une de chaque côté et une à l'arrière. Et un hélicoptère. Et un hélicoptère. C'est quand même beaucoup. Un vestige. Ça doit être les Espagnols. Les Espagnols sont priés de récupérer leur véhicule. Ils laissent vraiment traîner n'importe quoi. Bon, 3 heures de course. On revient vers Camaret. Un peu couvert. Tout dans le romantisme, hein. Pas très fraternel tout ça. Bon, là aussi, hein, tu peux. Ils appellent ça le fort de la fraternité. Alors, enfin, les éléments qui se déchaînent un peu là. Là, on a fait le côté de la côte abritée. Parce qu'on a un vent de sud. Bon, on n'a toujours pas compris quel était le rapport avec les Espagnols, mais on va y arriver, hein. Il y a un petit côté gravé de trop, ça arrive. T'as marré là-bas. Alors, il était là-bas. Et voilà, camarade. Alors on est au niveau du orange là-bas, du jaune là-bas, la maison jaune. L'hôtel du Stival. Donc aujourd'hui on aura fait 4h05 de course, presque 32.
L'aube. C'est quoi là-bas? Des maisons ou des menhirs? Ou des arbres? Des fortifications militaires détruites. C'est beau. Là, c'est le pur kiff. Si ça pouvait tenir comme ça toute la journée, là, ce serait... Malheureusement, il y a les gros nuages qui arrivent là-bas. Ouais, gros nuages, pas encore trop gros, mais bon. Ah oui, ça, ok. Dans le sujet d'avant, pas maintenant. Ah, c'est magnifique, là. Alors, la tour du Tullinge, 1812. Je crois que c'est fermé. Sémaphore du Tullinge. Bon, je vous montrer ma tête, quand même. Alors là, on sent un petit peu plus le vent. Vous devez l'entendre, la caméra. On n'est pas sur les bords de Marne, c'est mieux. Ah, ne dénigre pas. Là, c'est quand même vachement mieux. Et les maisons là-haut, là, c'est pas mal. C'est pour un message pour ma femme. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Ouais. Ah, il y a un panneau à vendre, là. Ouais, là, c'est pas mal, là. Ruine du manoir de Saint-Paul-de-Roux. Ça, c'est une mine. On doit être un mémorial de quelque chose. Je vais vous lire. Mer, solitude. Non, ça, c'est une poésie. Il y a un gruyère de blocos. Il y en a absolument partout. De la nation, orphelin de guerre, ça c'est la liste des morts. Le musée mémorial international de la bataille de l'Atlantique. Ah, le lever de soleil sur le cap de la Chèvre. Le cabaret est là-bas. Et nous, on va là-bas. On se dit qu'on n'est pas déçu d'être venu. C'est absolument sûr. Ah ouais. Libre des forces, immense. Toujours encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Propre, parce qu'on l'a lavé hier soir, ils ont besoin de le faire sécher. On va faire un peu Romano pendant une demi-heure, le temps que ça sèche. Montre-moi ton slip. Ouais, toi, tu fais vraiment rendu genre du voyage là. D'habitude, on déploie au genre du jardin. Vas-y, tourne-toi là. Ouais, bon, mais t'as un joli slip. Hein. De la marée basse pour se faire un petit peu de plage. On est bien là. Là-bas, à la pointe du Raz, il y a un gros nuage qui se profile qui devrait arriver dans une grosse heure. Les tas de pois. Chèvre là-bas, la plage de Snigo, je crois, un truc dans le genre.
raccourci quand même. Souris, t'es filmé. Alors, c'est notre session flotte. Bon, le cap de la chèvre a été un peu raccourci à cause de la météo. Nous voilà à Morgat en attendant que l'orage passe. Pour vous prouver qu'on ne raconte pas des conneries, voilà le Rain Today sur Brest. Direction Cap de la Chèvre, après le gros nuage. Il y a une heure et demie d'autonomie sans flotte. Et après c'est l'inconnu. On verra. Voilà. Direction Cap de la Chèvre. On a comme prévu. Un petit peu de pluie. Enfin, il y a le soleil au loin là. Voilà, ça arrive. En breton. Là, comme on dit, on va prendre cher. Oui, là, faut s'habiller. Regarde ce qui arrive. Allez. Bon, on voulait du temps breton. Voilà, le cap de la chèvre est là-bas. On a nos 25 nœuds de vent, 45 nœuds en rafale. Et il y a un gros grain là, un gros grain qui arrive. Et voilà, nous voilà au cap de la chèvre. Et voilà ce qui arrive là. Là, c'est grosse tempête qui arrive. Déjà, il pleut pas mal. Bon, parking. Départ de Crozon, direction Douarnenez, enfin jusqu'à où on peut aller. Voilà, on a Morgat là-bas, Crozon à droite. Le début du cap de la chèvre au bout là. Et la pointe du Raz tout loin là. Alors voilà le truc d'aujourd'hui. Donc on est là et on fait tac 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 et on va essayer d'aller jusqu'à Douarnenez. Les falaises de Postolonec. Je sais pas où sont les strates comme ça là, clac clac clac. Et là-bas, le cap de la chèvre. L'île d'Aber. Par les descendantes. Alors, l'île de l'Aber. On a bien tenté de passer là-bas. Mais ça passait pas. De la mer. Là-bas, hein.
arrive après 2 heures sur la plage de je sais pas quoi, la plage de Charaboile. Bon, on est juste pas de l'autre côté, ça serait mieux pour la vue. Mais il y a un putain de vent. On est toujours avec le cap de la Chèvre là-bas et la pointe du Raz de l'autre côté, la pointe du vent. Là, Saint-Nic. C'est Saint-Nic. La plage de Saint-Nic. On va bien faire quelques kilomètres. Char à voile d'ailleurs aussi. Beaucoup de char à voile donc quoi. Salut, salut. On doit être à 30 bornes, le troisième jour. On coupe un peu par marée basse. Caleçon là, hein. Alors, Plomodierne, qui est très mignon. Douarnenez serait dans 8 km à vol d'oiseau. On parle GR, peut-être 11-12. On va le faire. Ça. Et on avance, et on avance, et on avance. Et on a droit à des chemins creux maintenant. Allez, Douarnenez dans un petit 10 km. C'est quand même des belles maisons, ça. Très fintech. Elle est 9 bornes. Je suis à 36. On arrive à Douarnenez. Et je pense qu'on a toujours le cap de la Chèvre. Voilà Douarnenez. Douarnenez. On dit pas Douarnenez ? Douarnenez. Dites un nez ? On dit pas Douarnenez ? On dit Douarnenez ? Il y a les doigts dans le nez ? On arrive à Douarnenez, les doigts dans le nez. Ouais, enfin, peut-être que les Bretons ils disent Douarnenez. Bon, on aura fait 47. 47 à peu près, et j'ai plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Là, on est dans un ancien sémaphore à Douarnenez. Je vais vous montrer ça. C'est dans son jus. Quatrième jour, Douarnenez. Douarnenez. Douarnenez.
Douarnenez. Celui-là va falloir l'essayer. À Douarnenez. Sardine, moule, Saint-Jacques, langoustine. On n'est pas obligé de prendre des pâtes aujourd'hui. Bah c'est ça, sardine. Bien ça. Et voilà le bel M. C'est un sous-marin là à gauche, non? À gauche du bel M, c'est quoi? Et là, t'as les cormorants là-bas en noir. Là. T'as les jeunes, jeunes mouettes qui sont grises. Ouais, j'ai vu ça. On a voulu voir Tréboul, on a vu Tréboul. Et c'est l'île de quoi, ça, tu disais? L'île du Saint, je crois. Et ça passe presque, là, hein? Ouais, à marée basse, peut-être. Ça va être la pointe de la Chèvre. Alors là, ça n'arrête pas de monter et de descendre, là, faut le savoir. Pas des grosses montées, mais... C'est quand même très classe. La petite maison là-haut. On ne devrait pas être trop loin de la pointe de la jument. La pointe de la jument. Et le bel M qui a fait la grasse mat. Olivier ? Alors, c'est un peu publicité mensongère, hein, mais on n'a pas eu du soleil comme ça tout le temps. Hein. La propagande. Voilà, Olivier est sur la pointe de la jument. On va vérifier pourquoi la jument, je ne sais pas pourquoi ça ressemble. Et là, on a le bel M qui est en train de mettre les voiles. Alors, on va aller à la pointe du billet. Pointe du Millet. Ils font du surf. Voilà, la pointe du Millet. Avec l'arc-en-ciel. Des trépassés. La pointe du Vent là-bas. Et la pointe du Roi là-bas. On voit le courant là-bas, on voit l'île de Saint aussi. Notre-Dame des naufragés. Voilà. On se retrouve donc à la pointe du Raz. Faudrait que je me souvienne de son nom, ce cross là. Alors, quand on voit l'empilement des rochers sur lequel est en train de marcher Olivier, c'est pas rassurant. Et là, il y a un putain de trou. Allez, on y arrive. L'extrême bout de la pointe du Raz. Là, il y a un peu de courant. Quand on voit le petit rocher qu'à fleurs là, et les traces de chaque côté, donc il y a Ouessant qui est 5 qui est là-bas. Et voilà, nous sommes au bout du bout. Eh oui, pas d'autre vie. Hein. Ça va, non, pas d'autre vie. La santé, ça va. Pour aujourd'hui, ça va. Quatrième et dernier jour, ça va, on est toujours en forme, pas de bobo. Ouais. Et content, toujours content. Allez.
ça. Oh, avec des bonnes chaussures, sans avoir peur du vertige, on va dire ça le fait très bien. Plus à l'ouest, pointe du vent là-bas. Bon, alors là, autant vous dire que personne ne vient au bout. Hein. Ils s'arrêtent tous là-haut sur le parking. Effectivement, il y en a quelques-uns qui ont dû aller nourrir les poissons. Si on n'avait pas compris. Plate. Qu'est-ce que c'est que ça? Vache, le port du Bestré. Là, ça doit être chaud, chaud bouillant, là.